un rappel de ce que signifie servir Dieu. Très souvent aujourd'hui, la définition de servir Dieu a changé de sens. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas ou définissent très mal ce que Dieu attend, entend par les servir. Au point que chacun de nous donne un contenu à lui. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est monter sur la chair, avoir un micro, aller dans les plateformes de streaming, sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qu'ils appellent servir Dieu. Alléluia. Mais servir Dieu est mieux au-delà. Servir Dieu dépasse ces cadres-là. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Ne pense pas que tu n'es pas serviteur de Dieu parce que toi, tu ne passes pas dans les réseaux sociaux. Ne pense pas que tu n'es pas servant de Dieu parce que toi, tu n'as pas des gens qui te suivent. Le mot serviteur de Dieu ne se limite pas à avoir des gens qui te suivent. Le mot serviteur de Dieu est au-delà de cela. Quelqu'un dit amen. Servir Dieu, c'est au-delà de cela. Alors ne pense pas juste que servir Dieu, c'est avoir une place d'honneur dans l'église. Non, il faut qu'on quitte ces stades-là. Alléluia. C'est ce qui amène aujourd'hui les poisons. C'est ce qui amène aujourd'hui les meurtres dans l'église, les détournements. Parce que la plupart pensent que être un serviteur de Dieu, c'est d'avoir une position, avoir une chaise particulière. Moi, j'avais dit, quand j'ai commencé ce ministère, le temps que les gens comprennent, je ne veux pas me donner une position particulière, un siège particulier. Je ne veux pas m'habiller de manière particulière. Parce que la grande tendance à résumer servir Dieu à l'accoutrement. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui s'habille d'une certaine manière. La Bible nous exige à nous tous de nous habiller décemment. Alléluia. Prédicateur ou pas, je dois m'habiller d'une manière à ne pas scandaliser. Alors, il faudrait vraiment, là c'est simple, que nous soyons conformes à ce que la Bible déclare. Jésus-Christ lui-même, en venant sur la terre, il dit en terminant dans Jean chapitre 15, chapitre 17, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom. Donc, servir Dieu se résume à faire connaître le nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que signifie servir Jésus-Christ? Servir Jésus-Christ signifie faire connaître le nom de Jésus. Ni plus, ni moins. Et chacun à sa manière. Faire connaître le nom de Dieu. Servir Dieu ne signifie pas être chantre. Non. Être chantre doit être un moyen de faire connaître le nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Servir Dieu ne signifie pas être pasteur. Être pasteur doit être un moyen d'expression pour faire connaître le nom de Dieu. Servir Dieu ne signifie pas être prophète. Être prophète est juste un moyen pour servir Dieu. Est-ce que tu es au Cana? Est-ce que tu es au Cana? Être protocole, ce n'est pas ça servir Dieu. C'est le moyen de servir Dieu. Il faut différencier le moyen et les services. Tu es au Cana? Servir en soi veut dire être utile. Être utile, c'est ça servir. Être utile. La question que tu dois te poser, est-ce que je suis utile à Dieu? Amen. Est-ce que je suis utile à Jésus? Là où tu travailles, à la douane, tu travailles à la police, à l'armée, tu travailles en politique, dans un portefeuille, est-ce que tu es utile à Dieu là? C'est ça ce qui préoccupe Dieu. Ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas les titres que tu portes. Les titres que tu portes n'est qu'un moyen. Il faut faire la différence entre le moyen et le service. Être pasteur est le moyen de servir Dieu. Ce n'est pas ça servir Dieu.
Si tu portes le titre de pasteur, tu peux le porter, mais en te servant toi-même, tu ne sers pas Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent d'un titre, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, et que sais-je, qui sont les serviteurs de Dieu. Pasteur Neil, ça va? L'onction coulée. Ma fille, va plus loin. Va plus loin. Plus loin encore. De tout mon cœur, va plus loin. Là où moi je n'arrive pas, va plus loin. Va plus loin. Va plus loin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ne tombe pas malade, parce que pourquoi on appelle maman Mélanie servante de Dieu et pas moi? Les gens peuvent t'appeler servant de Dieu, mais tu n'es pas utile à Dieu. Quelqu'un dit amen? Rendons les choses simples. Pose-toi la question. Est-ce qu'en famille, tu es utile à Dieu? Dans la famille où tu es? Dans la société où tu es? Est-ce que tu es utile à Dieu? Aujourd'hui, beaucoup se battent pour avoir un titre ecclésiastique. Il y en a qui font des rébellions, des divisions, des scissions, que sais-je. Si nous tous nous comprenons ce qui préoccupe Dieu depuis le commencement, nous allons cesser de nous battre pour être sur la chair. Moi, je l'ai toujours dit, même en tant que visionnaire, je me vois dans les villages en train d'enseigner, de faire connaître les gens de Dieu. Ici, dans nos villes, dans les grands centres, les gens prétendent connaître Dieu. Ils ne le connaissent même pas, pour la plupart. Quand tu lis Genèse chapitre 1, on commence par là. Le verset 26, Dieu dit ceci, la version Les Semeurs. Créons les hommes avec un service. Quel est le service que Dieu donne à l'homme en les créant? C'est être l'image de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous soyons son reflet sur la terre. Donc, cela ne peut pas se résumer à 31 minutes, une heure de prédication. C'est toute une vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toute une vie. Ce n'est pas une fonction. Est-ce que tu es au Ce n'est pas une fonction pour te battre pour ça. Non. Servir Dieu est la raison pour laquelle Dieu t'a fait un homme, Dieu t'a fait une femme. Donc la raison de ta vie, c'est être le reflet de Dieu. Maintenant, chacun à sa manière. Chacun avec un moyen différent. Voilà pourquoi il a dit, il a fait aux uns, il a fait des uns, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, et que sais-je encore. Quand vous lisez très bien, sauf erreur de ma part, 1 Corinthiens chapitre 12, parlant des dons prophétiques, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui s'exprime. Donc même les dons prophétiques, c'est l'expression de Dieu. C'est Dieu qui opère. Est-ce que tu es au Canada? Donc, si tu veux être serviteur de Dieu, tu dois prendre la décision de laisser Dieu opérer. Jésus-Christ dit ceci. Je ne parle pas de moi-même. Et c'est Dieu qui fait toutes ces choses au travers de moi. C'est ça, servir Dieu. Laisser Dieu parler au travers de toi. Laisser Dieu agir au travers de toi. Baninga, est-ce ça compliqué? Est-ce que ça compliqué? Est-ce ça compliqué? Dan, c'est compliqué ce que je dis. Tu t'attends à quoi quand on dit servir Dieu? À un poste? Non. Ça, l'organisation des places, des postes et des fonctions dans l'église
ça a une place dans l'église locale. Mais à l'origine d'abord. Tu ne peux pas être serviteur. Tu ne peux pas d'abord ne pas être serviteur de Dieu et te battre avec une position à l'église. Tu vas nous créer des problèmes. Ceux qui ne vivent pas comme serviteurs de Dieu et se battent pour une position, voilà ce qui cause des problèmes dans l'église. Parce que, ma fille Gisèle, dans la réalité, il n'est pas serviteur de Dieu. Il croit que serviteur de Dieu, c'est avoir un poste à l'église. Comme ça, on va le respecter, on va l'honorer. C'est simple, est-ce qu'on s'est entendu? Sur ce plan-là, allez enseigner aux autres. Arrêtez de vous battre en organisant toute forme d'activité. Si nous décidons de vivre une vie différente qui reflète Dieu, alors là, Dieu lui-même va s'occuper contre nos ennemis. La Bible dit, Dieu parle, il dit, Dieu a voulu que tout le monde puisse ressembler à son fils. Être l'image de son fils. La mort de Jésus à la croix a eu comme effet de faire de nous quoi? Les frères de Jésus. Donc, d'autres Jésus. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que ton comportement reflète Dieu? Alléluia. Est-ce que tes paroles reflètent Dieu? Est-ce que ta manière de vivre montre l'image du Seigneur? Serviteur de Dieu ou fonctionnaire à l'église? Qui es-tu? Serviteur de Dieu ou fonctionnaire dans une église locale? Ou employé dans un ministère? Qui es-tu? Amen. Alléluia. Alléluia. Quel est le bénéfice de cette définition pour que je termine et que nous passions à la table du Seigneur? Je l'ai dit, les jours passés, c'est un rappel. Quand tu rentres dans Genèse chapitre 1, le verset 26 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit ceci, afin qu'il domine. Quand tu vas au verset 27, il dit, Dieu les fit hommes et femmes à son image et Dieu les bénit. En d'autres termes, la bénédiction pour laquelle tu es ici à l'église est un salaire du travail que tu fais. Quel est le travail? Refléter Dieu. Toyokani, la bénédiction dans ton travail, la bénédiction dans tes affaires, la bénédiction dans ta maison s'attachera à toi chaque fois que ta vie reflétera l'image du Seigneur. Ainsi, tu vas dominer. Tu vas dominer sur tout ce qui est sur la terre. Oh, plus tu montes, tu manifestes Christ, plus tu vis la domination. La domination, ce n'est pas quelque chose à pleurer pour. C'est une conséquence. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas aller à la montagne et dire à Dieu, Dieu, donne-moi la domination. Dieu va te répondre, comme il le fait maintenant. Vis une vie qui me reflète et les choses dans le monde vont t'obéir. Le monde dit, les apôtres disent, qui est celui à qui obéisse même la tempête? Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Parce que je ne fais rien de moi-même, je laisse Dieu s'exprimer. Est-ce que vous avez une phrase, Wana? Laissez Dieu s'exprimer au travers de toi. Qu'est-ce qui va s'opposer à Dieu? Alléluia. Ce qui s'est en ligne à Mata, à Kitissier. En résumé, servir Dieu, c'est laisser Dieu parler au travers de moi, s'exprimer au travers de moi, opérer au travers de moi. Quand le monde le verra, la nature le verra, il va se soumettre à lui. Mais quand les gens vont me voir, ils vont voir que les choses se soumettent à moi. Mais moi, je sais
que ce n'est pas à moi qui se soumet, c'est à Dieu que je laisse s'exprimer au travers de moi. Ainsi, puisque tout appartient à Dieu, en laissant Dieu opérer au travers de moi, tout va venir à moi. C'est le plus grand travail que nous devons faire si nous voulons régner sur la terre. En effet, lorsque Jésus-Christ nous apprend à prier, il dit quoi? Que ton règne vienne. Or, Dieu ne peut pas régner si tu ne lui donnes pas de s'exprimer au travers de toi. Le règne de Dieu dans ta famille doit passer par toi. C'est en disant, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Alléluia. J'aime beaucoup insister sur cette phrase que je viens de dire pour ne pas tomber dans l'erreur. Beaucoup d'enfants de Dieu disent à Dieu, Dieu, fais ce que tu veux. Non. Fais ce que tu veux veut dire, Seigneur, je pouvais faire ceci, mais je veux te laisser t'exprimer au travers de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Philippiens 2 dit, il n'a pas considéré comme une proie à arracher. Il s'est soumis, il a dit, je vais faire ce que Dieu veut. Je vais laisser Dieu atteindre ses objectifs. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Bandimi, tu sais au Canada, Mathieu, c'est compliqué. Et c'est tellement simple que vous comprenez. L'ipan bolinyo c'est zawana. Tobete likolo maboko makasi. Alléluia. Ce soir, par la table du Seigneur, de ce soir, toute force est...